Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Zelda. Alors, je vais baisser un tout petit peu pour moi, voilà, hop, c'est mieux. Et donc, bon, si tout va bien, vous avez eu la nouvelle intro, un peu plus courte, et pas me dire ce que vous... Et on attaque la suite de notre... Hey Max, qu'as-tu encore fait? Très vénérable arbre, il est... Comment tu peux faire une chose pareille? Ta faute. Je mourir à cause de toi. Un blaireau. Bon, enfin bref, j'ai rien compris. Hop. Alors, boutique Kokiri, fournisseur officiel du peuple sylvestre. Alors, on va voir ce qu'il nous vend. 38 rubis, je vais pas aller loin, mais bon. Boutique Kokiri, bienvenue. Nous vendons des boucliers, mais je sais, tu me l'as déjà dit. Tac, alors il y a des bâtons, il y a des noix, il y a des graines mojo, ce qui m'intéresse pas. Et là, on a des. Là, il y aura des flèches, mais pour l'instant. Flèche 18 unités, 20 rubis. Il faut un arc pour avoir le droit d'acheter des flèches. Ouais, donc j'ai pas d'arc. Donc, demi-tour. C'est pas par le saut, c'est par là où on vient. Hop là. Droit devant la clairière du vénérable Arbre Mojo. C'est pas ce qui m'intéresse. Je suppose que pour moi, il faut que je sorte. Hop. Cabane de Saria. Peut-être Saria est revenue chez elle. Alors, j'avais réussi, je ne sais plus comment. Ah, voilà, à faire la vue du dessus. Hop. Ah, voilà comment on monte. Je me disais bien on pouvait monter. Au-dessus il y a encore des trucs, des petits cœurs. Bon, c'est bon à savoir. Hop. Et on va aller. Non, je sais pas là où je voulais aller. Ça va. On dirait du pot farming à la... Voilà, Tomb Raider. Ah, bonjour. Qu'as-tu fait au très vénérable arbre Mojo? Ok, tout le monde pense que c'est de ma faute. Hein. Ouais, en même temps... Ouais. En même temps, je vais le voir, il n'y a personne qui m'aime bien, et puis juste après, quand je reviens, il est décédé. Quoi? Où tu vas? Au château? C'est quoi un château? Ok. Espèce d'inculte. Et là, il n'y a plus personne. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un. Donc là, on est parti. Oh, alors tu pars déjà? J'ai toujours su qu'un jour, tu quitterais la forêt, Max. Car tu es différent de nous. Ce n'est pas grave. Nous serons amis pour toujours, n'est-ce pas? Je veux que tu gardes cette ocarina. Prends-en grand soin. Vous recevez l'ocarina des fées. Assignez ce cadeau de Saria au bouton C, puis appuyez sur C. Assignez-le en appuyant sur non, dans l'inventaire, puis utilisez ce C pour en jouer. Les boutons A et C correspondent à différentes notes. Appuyez sur B pour arrêter de jouer. Pense à moi en jouant de l'ocarina, et un jour peut-être, tu reviendras me voir.
Oh, les autres jeux, c'est trop triste. Tellement d'émotions. Pleine d'Hyrule. Alors, on va faire une petite sauvegarde, mettre l'ocarina là, et le bâton en bleu, et c'est reparti. Max, regarde un peu par là, prépare-toi car ta noble quête débute enfin. Ton destin est tourmenté, obstacles et épreuves t'attendent, mais jamais le courage ne doit te faire défaut. Va tout droit pour aller au château d'Hyrule. Une princesse t'y attend. Si par malheur tu perds ton chemin, n'hésite pas à consulter la carte. Les contrées déjà explorées seront affichées à l'écran. Appuie sur Start, puis sur Z et sur ou R pour trouver la carte. Sur l'écran de la carte apparaîtra un point clignotant t'indiquant ta position de ta prochaine épreuve. M'as-tu bien compris? On va dire oui parce que sinon ça va être bien chiant, il va répéter le même. Bonne chance, brave petit. Et à la prochaine. Un grand duc qui se promène en plein jour. Très bien. Alors. Château d'Hyrule, Ranch Lonlon. En avant! On a même pas essayé de jouer de l'ocarina, tiens. Oh, je me suis trompé. C'est parti. Ah, je vois le château. Alors, à mon avis, il faut aller au pont-levis. J'aurais pensé qu'il y aurait eu plus de monstres que ça déjà. Voilà, il va déjà faire noir. Vite, allons nous abriter. Et voilà, je l'avais dit qu'il fermait le pont parce qu'il faisait noir. Oh. Je dois faire quoi maintenant que c'est fermé? Merde, putain. J'ai récupéré mon cœur. Tac tac. Alors je sais pas s'il va falloir que j'attende. Vous êtes ici. Château d'Hyrule, sous droit, Ranch Lonlon. Non, c'est pas ça que je veux faire. Non. Voilà. C'est fermé. Alors du coup, je dois aller au château. Et on va essayer peut-être de le contourner. Ah c'est bon, ça se lève. Oh, il y en a un plus grand. Il y en a un plus grand qui me donne du coup un truc. Ok, le château est ouvert. Bon, faut se dépêcher.
Bonjour. Il y a un PNJ là. Gloire et longue vie à la noble famille royale d'Hyrule. Ok. Place du marché. Allez, fais-moi un prix, une réduc, quoi, c'est trop cher. Ok. Hop. Wouah! Il est dingue ce type. Il a essayé d'entrer dans le château pour voir la princesse Zelda. Il est dingue lui. À cause de ce crétin, ils ont doublé la garde. C'est malin. Wouah! Il veut quelque chose, lui. Cette barbe est ma fierté. Elle est belle, hein? Hein? Si tu veux. Alors, rentrons dans la maison. Bonjour. Bazar. Chaque fois, il y a quelqu'un qui parle. On raconte qu'un monstre avale les boucliers. En as-tu déjà vu un? Oh, ça c'est moins bien ça. Bienvenue. Passer en revue les articles. Alors, donc là il y a un bouclier ilien à 80 rubis. Ah, oh, il y a des bombes là. Bon, pour l'instant on peut rien acheter. Mais on sait que le bazar c'est là. Donc lui il va nous reparler de sa barbe. Hop, on va aller voir là. Alors. Place du marché, ouais, je sais que c'est la place du marché. Ça doit être le bar, je crois, la taverne. Apothicaire. Bonjour, monsieur. On dit qu'un apothicaire fabrique un médicament surpuissant. D'accord. Hop. Bonjour. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que tu as à me proposer? Potion verte, ces doses uniques restaurent votre magie, restaurent votre énergie. Esprit de fée, il vous faut une bouteille vide pour la conserver. Flamme bleue, il vous faut une bouteille vide pour la conserver. Là, il y a une poule. Est-ce qu'on peut attraper la poule peut-être? Petit, petit, petit. Bon, on va pas courir après une poule. Même si c'est ce qu'on a fait. Mon petit Kiki. Il est le Kiki le plus rapide du monde. Il court et saute et fait des bisous à sa mémère. Ok. Bonjour. Hey, tes vêtements, ils sont différents. Tu n'es pas du coin, toi? Oh, tu es un garçon de la forêt. Mon nom est Malone. Mon père tient le ranch Lonlon. Papa est parti livrer du lait au château, mais il n'est toujours pas revenu. Justement, je voudrais y aller au château. Alors. Hey, petit gars de la forêt, voici le bourg d'Hyrule. Prends ton temps et admire. Pour aller au château d'Hyrule, prends la rue à droite. Pour examiner la ruelle, emprunte la rue de gauche. T'es fou? Je ne danse pas, j'ai le dos qui me gratte. Ah, oh, ah. Une petite vieille là. J'ai gagné beaucoup d'argent. Moi j'aime vendre des trucs et des machins. Je vais me faire dissous près du lac Ilia. On trouve plein d'objets au fond de l'eau. Oh, tu fais cool. Tape ses mains par terre. Le très vénérable arbre noble. Demander de rendre visite à la princesse du château. On devait y aller, non? Pitié. Pitié, vends-moi un truc. Pitié. Non. Connais-tu le peuple de l'ombre? Les Shaikas sont l'ombre des Iliens. On dit qu'ils ont juré fidélité au roi d'Hyrule. Leur tâche est de protéger la famille royale.
mais ils se font très rares par ces temps de paix. Enfin, j'ai entendu dire qu'un Shaika vivait au château. Bon, excusez-moi, on fait le tour un petit peu, on visite. On peut pas parler à la dame. Eh, sais-tu que la princesse Zelda fait souvent des rêves prémonitoires? Sais-tu que le temple du temps se trouve au nord-est du bourg? Les légendes racontent que le temple du temps est l'entrée du saint royaume. C'est trop terrible, ça. Bon, je voudrais parler au Goro, là. C'est pas possible, apparemment. Bon. Eux, ils se marrent. Hop, et lui, là, il fait quoi, là? Il court. Je suis en retard. J'ai un rencard. Nous revoilà à la place du marché. Donc là, je crois que c'était... On n'a pas été ici. Bonjour. Foire au masque. Quelle étrange boutique. Quand va-t-elle ouvrir? J'ai lu le panneau, mais je comprends rien. Voir. Foire au masque. Veuillez lire cette affiche avant de faire appel à nos services. Fonctionnement de la foire. Ici, les masques ne sont pas à vendre, mais sont confiés à un coursier gratuitement. Vous vendez le masque emprunté à votre convenance. Vous apportez l'argent, vous confiera un nouveau masque. Vous pouvez emprunter un masque déjà vendu sans pouvoir... Essayez, propriété. Non, ça, il va redire le même. Ok. Non, ici, on peut pas mettre la vision... du dessus. Hop. Ah, là, c'est le cimetière. L'œil de cette statue perce les mystères de votre esprit. Ding dong, au quatrième top. Au quatrième, c'est 7h30. On peut pas non plus. Bon, là. Hop, là c'est une espèce d'église. Ah, c'est une église de la Triforce. Hein. Temple du temps. Ça a l'air beau. Il y a trois socles et une inscription. Toi qui portes les trois pierres ancestrales, entonne le chant du temps avec l'ocarina du temps. D'accord. Je pense que nous devrions revenir plus tard. Donc on va essayer de trouver le chemin du château. Et à partir du moment où on aura trouvé, on se laissera. Voilà. Place du marché. Mais non, je veux pas monter. Oh, je voulais faire une roulade dedans. Ta barbe, ouais, on sait que c'est ta fierté. Tu cherches le gars du ranch, Lonlon? Peut-être. J'ai vu un type avec une horrible moustache noire apporter du lait au château. Ah, c'est peut-être le gars qui est en retard, là. Enfin, c'est pas lui. Est-ce qu'on peut monter, là? Ah, je suis à l'étage, d'accord. On dit que les grandes oreilles des Iliens servent à entendre la voix des dieux. Faut croire que les miennes sont en panne. D'accord. Hop. J'ai pas été ici. Bowling ténu. Zzz, zzz.
Oh, je suis désolé. Nous ne sommes pas ouverts pour l'instant. Revenez plus tard. Ouais, va t'en recoucher, feignasse. Pardon, pardon. Là, il y a la petite vieille, là il y a l'enfant. Là-bas c'est... Ah mais le château c'est par là. Je vais pas monter. Bon, y a rien dans les caisses. Allez, on monte. Lobo, ça doit être le château si je me trompe pas. Que je joue dans le fond. Ah, ça va. Nous arrivons. Château d'Hyrule. Et bien, nous allons nous arrêter là, oui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, on n'aura pas fait grand chose, on aura parlé un petit peu avec quelques personnages, on aura découvert un petit peu la ville, et on aura trouvé le château quand même. Donc au prochain épisode, nous irons au château, et on va voir ce que la princesse veut de nous. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un j'aime, ou à vous abonner si vous voulez rater aucun de nos épisodes. Sinon, moi je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine ou sur une autre vidéo. Et à très bientôt. Salut !